pecho acelerar y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor. Me tiene loco. Écoute, si toi tu te moques de ce que fait ton mari, on fait un truc. Je le tue, ça m'enlèverait un poids et ça me rendrait service. Mais je n'ai vraiment pas l'intention de revoir ce type en train d'embrasser ma femme dans tous les recoins du dépôt. Tu es sûr de ce que tu dis? Parce que vu ce que tu racontes, ça ressemble plus à des ragots d'hommes jaloux. Et j'ai bien l'impression que tu as un certain talent pour propager des bruits de couloir. Je les ai vus de mes propres yeux. Ne t'occupe pas de Max. Laisse-moi me charger de lui. Par contre, celle qui m'inquiète beaucoup, c'est Camilla. Parce que si elle embrassait Max, ça veut dire que son prétendu mari ne peut pas la contrôler ni la surveiller. Tu veux que je la contrôle? Si tu veux que je contrôle cette femme, alors trouve-moi un petit boulot dans cette boîte, comme le sien. Qu'est-ce t'en dis? Comme ça, plus rien ne m'échappera. Attends-moi ici. C'est pour ça que je veux que tu la surveilles, Santiago. Je veux savoir ce qui préoccupe ma sauvageonne. Oh, excusez-moi, Ezekiel, je ne savais pas que vous étiez occupé. Ne t'en fais pas, Astrid. Santiago allait partir. C'est au sujet d'un homme qui cherche à être embauché dans nos dépôts. Et je me disais qu'on pouvait lui donner un petit coup de main. C'est le mari de Camilla. Le mari de Camilla. Camilla, ma sauvage. Oui, enfin, c'est ça qu'il m'a dit. Qu'il était son époux. Ah, alors très bien, très bien. On peut lancer la procédure. On l'intègre dans l'entreprise, bien sûr, très bien. Mais vous avez une drôle d'attitude. Ça vous dérange que Camilla ait un homme dans sa vie? Écoute, Astrid, ce qui me dérange ou ne me dérange pas, ça ne te regarde pas. Alors ne fais pas l'indiscrète et va travailler. Retourne à ton bureau. Maintenant, on sait ce qui préoccupe ma sauvageonne. Santiago, en fait, je ne veux pas seulement que tu suives Camilla. Je veux que tu suives aussi cet homme. Je veux connaître jusqu'à la marque de dentifrice qu'achète ce type. Fernando ne se sert pas de moi, Chila. Et d'ailleurs, arrêtez de me mettre des idées dans la tête. J'ai pas envie de le faire fuir. J'ai vraiment espoir que ça marche avec lui. Tu entends ça, Moïses? Voilà ce qu'un homme doit susciter chez une femme. De l'espoir, de l'envie, du désir. Et des orgasmes. Voilà ce qu'un homme doit susciter. C'est vrai, mais au moins Moïses va me faire devenir mannequin. Ça me suffit. Mais engage cette bague et sers-toi de l'argent pour t'acheter une paire de testicules. Peut-être que tu seras enfin un homme, Chelso. Je ne comprends pas pourquoi tu résistes, alors que ça ne va rien changer. Que ça te plaise ou non, toi et moi, on va se marier. Alors tu vas prendre cette bague. Qu'est-ce que tu crois? Que la refuser coupe un court à la conversation? Eh bien non! Tu sais quoi, ma petite? Je suis la meilleure chose qu'il pouvait t'arriver dans la vie. Mais parce qu'aucun homme, écoute-moi bien, aucun homme n'accepterait une femme
que son propre père a dû aller chercher dans un hôtel. Et personne n'a le droit de me laisser parler dans le vide. Et encore moins avec une bague, alors parle! La différence, Shelso, entre ces femmes et ma sœur, c'est qu'elle a quelqu'un pour la défendre. Alors maintenant, soit tu te calmes, ou je te calme. Oh, merci, Franchon! Je croyais que cet attardé n'allait jamais s'arrêter. Je ne me marierai jamais avec un débile comme Shelso, jamais. Et si papa m'y oblige, je préfère encore mourir. Bien sûr qu'il était jaloux, je le sais parce que moi aussi je le suis. Et Sébastien a beau être curé ou tout ce que tu voudras, il a des sentiments pour toi. Axel, si tu as envie d'être avec moi, la dernière chose à faire, c'est me surveiller. Mais une petite dose de jalousie n'a jamais fait de mal. Ni petite ni grande. Ce qui est grand, c'est l'amour que je ressens pour toi. Mais il est aussi petit parce qu'il atteint les plus infimes cellules de tout mon corps. Ah, Axel, tu es très spécial. Oh. Pour ne pas dire fleur bleue. Non, non. Sérieusement, Axel, ça me flatte beaucoup, tout ce que tu me dis. Mm-hmm. Mais... Tu vas trop vite, Axel, tu vas trop vite. Non, c'est pas ce que tu allais dire. Mais je peux aussi aller lentement. Sérieusement, je suis à vitesse réglable. Mmh. On y va, allez, allez, il faut que j'aille au travail. D'accord. Viens. C'est bon, tout est réglé. Va voir Nancy aux ressources humaines pour remplir tous les papiers nécessaires. Et ensuite, va à ton poste parce que tu commences à travailler aujourd'hui. Ne t'y trompe pas, petite dame de fer. Parce que maintenant que je suis là, tu sais, je vais surveiller Camilla de très près. Et elle ne verra plus ton mari, à part peut-être en photo. Je ne me trompe jamais. Toi, tu te charges de garder le plus grand contrôle sur ta femme. Et moi, je me charge de mon petit ami. Et fais attention, ne t'y trompe pas non plus. Car ce que je donne, je peux le reprendre. Je veux tout savoir sur ce type. Je veux savoir s'ils sont réellement mariés ou s'il n'est rien d'autre que son compagnon. Il faut faire sortir ce type du jeu, parce que c'est un obstacle. Et moi, ce qui me fait obstacle, je le mets à la poubelle. C'est comme si c'était fait, patron. Excusez-moi. Il faut que tu signes ces documents pour le dépôt des marques que nous allons mettre sur le marché pour éviter que Capriccio nous les vole. Tu sais, j'étais... en train de réfléchir, Octavien. Il ne sera pas nécessaire que tu quittes l'entreprise. Quitter l'entreprise ? D'où tu sors ça, Ézéchiel ? Je n'ai pas l'intention de quitter quoi que ce soit. Eh bien, si je me marie avec une autre femme, il faudra que tu partes de la maison. Mais pour ce qui est de l'entreprise, ce ne sera pas la peine. Je vais avoir besoin de toi. Arrête ! Ça suffit, Ézéchiel, là ! Arrête un peu tes mauvaises blagues, ça ne me fait pas rire. Tu es si dramatique. Ce n'est pas une blague. Toc, toc. Je peux entrer? Max, je peux te faire une confession? Enfin, pas tellement une confession. Plutôt une envie que j'ai... et que je ne peux plus réprimer. Astrid. Oh, Max, excuse-moi s'il te plaît, mais je ne peux plus me retenir. J'ai besoin de sentir ton odeur et ta respiration. Je ne pense pas qu'on devrait faire ce genre de choses ici. Quelle chose? Nous embrasser au travail, devant tout le monde? Oh, Max, on est dans ton bureau. Qui pourrait nous voir? Oui, mais... je sais pas. Et comment se passe ta journée? Tu as du nouveau à me raconter? Du nouveau? Non. Rien, tout est normal. Ah, moi oui. On a embauché le mari de Camilla pour qu'il travaille avec elle au dépôt. Comment? Qui a mis ce type dans l'entreprise? Ton papa. Nancy m'a dit qu'Ézéchiel avait donné l'ordre pour qu'on embauche ce monsieur. Alors, ici, j'ai le compte. Camilla!
Camilla, voici Roberto, ton nouveau collègue de travail. Vous vous connaissez? J'ai l'impression de vous avoir déjà vu ensemble. Non, non, non. Non? Eh bien, il faudrait peut-être demander à Camilla si on s'est déjà vu avant, non? Mais pour autant que je me souvienne... Non. Non. Eh bien, pourquoi tu n'es pas allé au bureau? J'avais un peu mal à la tête et j'ai préféré rester à la maison pour travailler. Et toi, pourquoi es-tu si contente? Ah, parce que les choses vont de mieux en mieux dans la vie d'Amelia. Figure-toi qu'elle sort avec un jeune homme. Mm-hmm. Un jeune homme très bien, qui l'adore et... Eh bien, peu à peu, elle commence à oublier Sébastien. Ne me dis pas que cette gamine est toujours entichée de ce curé. Mais arrête de toujours voir le verre à moitié vide, Fausto. Rends-toi compte que notre fille fait des efforts gigantesques pour essayer d'oublier Sébastien. Tout ça, c'est de ta faute, toi. Tu es une entremetteuse. Et tu te fiches que les Lopez Mendez soient nos ennemis. Tu te contentes de dire amen à tout ce que font nos enfants. On dirait presque que tu les encourages à être en contact les uns avec les autres. Regarde, regarde Gregorio qui est aveuglé par cette... Ça suffit, Fausto, ça suffit. J'étais très heureuse avec cette bonne nouvelle. Et toi, comme d'habitude, tu finis par tout gâcher. Tu ferais mieux d'aller travailler. On va bien insister sur le fait que la fille du patron de Mascarada utilise nos produits. Mais elle est bien plus que la fille du patron. C'est surtout une fille simple, normale et accessible qui utilise ce maquillage au quotidien pour aller à la fac. Pourquoi? Parce qu'il est pratique et frais. Et de si bonne qualité qu'il tient jusqu'au soir pour aller faire la fête. Arrêtez le casting! Je vous amène un mannequin qui va révolutionner Mascarada. Hello! Ah, merci à tous pour cette opportunité! Moïses, pardon, mais pourquoi tu as amené Chila alors que nous faisons pas de casting? J'ai le visage parfait pour la nouvelle campagne que tu vas lancer. Pour la rémunération, ne t'en fais pas, on en parlera plus tard en tête à tête. Désolé, mais nous avons déjà une idée pour cette campagne. En effet, c'est une ligne de maquillage visant les jeunes. Et il me semble que Chila est un petit peu trop âgée pour ça, non? Vous croyez pas? Tu me traites de vieille? Moïses, cette jeune fille m'a humiliée. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais trouve une solution, parce que je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie. Merci. Roberto, voici ton uniforme. Ah, merci. De rien. Camilla, est-ce que tu peux lui expliquer les procédures pour le transport des produits? La relation client et l'encaissement de la marchandise à livrer. À plus tard. À plus tard. Comment ça se fait que tu travailles ici? Je t'ai dit de t'en aller. J'ai mal entendu ou ce mec vient de dire encaissement de la marchandise? J'ai écouté. Et toi, tu ne m'as pas dit que tu brassais pas mal de fric ici? À moi, ton propre époux? Ça ne te paraît donc pas injuste, mon petit cœur? J'ai pas envie de t'embrasser, gros porc! Souviens-toi qu'ici, on ne se connaît pas, Roberto. Alors bouge tes fesses et va-t'en d'ici! Astrid et Max croient que nous sommes mari et femme. Et donc c'est normal. C'est normal, ma princesse, que de temps en temps, je te fasse un petit bisou. Pour être un peu crédible. Et commence à t'habituer. Commence à t'habituer parce que désormais... on va être vraiment très proches. Largo al factotum della città, largo. La 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 la. La. Presto a bottega che alberia. Pourquoi vous riez, ma mère? Pardon. Pardon, Père Tiziano, mais votre voix est magnifique. Mais c'est juste que vous m'avez dit, ma mère, je vais faire des vocalises. Hmm? Et vous finissez par chanter rien de plus et rien de moins que le barbier de Séville. La meilleure façon de faire des vocalises, hein? Ah, c'est que je ne peux même pas chanter joyeux anniversaire. Ah. Oui, entrez. Excusez-moi. Venez, capitaine. Luciano, comment allez-vous? Mais qu'est-ce qui vous amène donc? Elda a un problème? Non, 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 non. Elda va très bien. Dieu merci. J'ai amené le capitaine Torrealba parce que nous avons besoin de vous parler. Et que pouvons-nous faire pour vous? Nous enquêtons sur la mort de Marco Aragon, le neveu de Fausto. Et Ezequiel Lopez Mendez est notre principal suspect.
Ah. Par curiosité, en quoi cela pourrait-il concerner l'orphelinat ? Nous voulons localiser Rosa Blanco, la femme à l'origine de toute cette guerre entre les deux familles. Vous savez qui est Rosa Blanco, n'est-ce pas ? Mon chéri, qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Ton père l'a déjà fait embaucher. En plus, il doit être déjà en train de travailler au dépôt et tout. Mais c'est impossible. Ce type ne peut pas travailler ici. Pourquoi pas, Max ? C'est vrai, il ne présente pas très bien, mais... à part ça, il n'a pas l'air méchant. Et puis, qu'est-ce que ça peut bien faire si Camilla travaille avec son mari ? Si mon père l'a autorisé, ce n'est pas pour rien. Ah, mais ils sont si mignons, tous les deux. En plus, ils se tiennent compagnie, ils vont et ils partent ensemble du travail. J'y vais. Tu vas où ? Je vais voir à quel point c'est mignon de les voir travailler ensemble. Tu vas me payer, pauvre type ! De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi humiliée ! Arrête, Sheila, arrête ! Tu vas finir par tuer ce pauvre homme ! Attends, je viens de penser à un truc. Il y a beaucoup de femmes qui partagent leur maquillage avec leurs filles. Tu veux qu'on fasse un essai pour voir ce que ça donne ? Mais c'est comme tu veux. Ce n'est pas pour me vanter, mais tout me va divinement bien. Et au cas où, mon meilleur angle, c'est celui-là. Ah. Une mère et une fille qui partagent leur maquillage. Cette campagne va mettre un énorme coup à Capriccio. C'est sûr, parce que... il ne lancerait jamais une campagne comme ça. Et encore moins avec la fille du patron. Ah ! Ah, du balai, les incapables ! Sheila est dans la place et les petites chattes n'arrivent jamais jusqu'à la cheville de la lionne. Pas vrai, bébé ? Qu'est-ce que tu fais dans mon entreprise ? Et pourquoi t'as demandé du travail au même endroit que Camilla ? Justement, chef, c'est pour être auprès de ma petite femme. Je ne sais pas d'où tu viens et ça m'est égal, mais je veux que tu t'en ailles d'ici. Parce que ni toi ni personne ne fera de mal, Camilla. Tu m'as compris ? Je suis ici parce que je fais attention à ma femme, moi. Écoute bien, à ma femme. Et je n'apprécie pas trop qu'elle aille se bécoter avec le chef. Tu m'as bien compris ? Max, du calme. Souviens-toi que c'est mon mari. Souviens-toi. Est-ce que tu veux que je vire ce type ? Camilla ! Tu veux qu'il me vire, c'est ça ? Dis-le ! Alors quoi ? Non ! Tu veux qu'il me vire ? Non ! Non ! Je veux qu'il reste, Max. Je veux qu'il soit avec moi. Camilla, ça ne sert à rien. Je ne peux plus le supporter. Hé, mon pote, non. Qu'est-ce qui t'arrive ? Entre un chef et un employé, on ne fait pas de secret. Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi tout ce bruit ? Rien. Je souhaitais bienvenue au nouvel employé. C'est vrai. Merci. Bien sûr que nous savons qui est Rosa Blanco. C'est la mère de Camilla. Elle était là quand la petite avait... 11, 12 ans. Mais elle est partie, et nous ne l'avons plus jamais revue. Et depuis, vous n'avez plus de nouvelles. Elle est vivante. Rosa Blanco est vivante parce qu'elle a appelé chez moi. Maintenant, tout ce que nous voulons savoir, c'est si elle vous a contacté ou si vous savez où elle est. Nous savons actuellement qu'elle est en vie, tout comme vous, mais... Je ne pourrais pas vous dire vraiment où vous pouvez la trouver. J'ai besoin... de la déposition de Rosa Blanco pour pouvoir poursuivre Ezequiel pour le meurtre d'Augusto Aragon, le frère de Fausto, et pour l'accuser du meurtre de Marco. Ma mère, si vous savez quelque chose, dites-le. De quel côté êtes-vous ? Du bien ou du mal ? Ne le protégez pas, ma mère. Ne protégez pas un assassin. Messieurs, je ne sais absolument rien. J'aurais aimé vous aider davantage, mais je n'en sais rien.
Oh my god! Que des gens beaux, heureux et positifs. Oh. Et me voilà pour mettre des plumes et des paillettes dans cet événement de beauté universelle. I love you, girl. Tiens-toi bien, Chichi. Ces gens t'ont appelé sur ma recommandation. Quelqu'un a laissé des pesticides périmés s'infiltrer dans le studio. Écoute, pesticides, ces petits jeunes connaissent très bien mon travail. Et si je suis là, c'est parce que ma meilleure copine m'a appelé. Coucou, copine. Coucou, Chichi. Eh bien, oui, parce que je veux que tu nous maquilles avec les produits que nous allons lancer. C'est du maquillage pour jeunes. T'inquiète, ma chérie, t'inquiète. Ne t'en fais pas. J'ai ramené tes armes secrètes. Le maquillage pour jeunes n'efface pas les rides. Mais qu'est-ce que tu racontes? En fait, l'idée, c'est qu'on voit que la mère et la fille utilisent les mêmes produits et qu'on s'identifie à elles. Alors, c'est parti. Tu vas rester fâché longtemps. On ne peut pas travailler comme ça. Je t'ai dit que je ne voulais pas que tu quittes l'entreprise. Et toi, tu vas encore me parler de ça? On peut savoir depuis quand Mascarada embauche des voyous et des délinquants pour travailler avec nous? Encore un qui s'est levé du mauvais pied. Pourquoi est-ce que tu l'as embauché? Comment ça, pourquoi? Pour aider Camilla. Ce n'est pas son mari? Eh bien, de nos jours, deux salaires valent mieux qu'un, non? Ah donc Camilla a un mari? Et toi, tu ne m'as rien dit? Tu préfères embaucher son mari sans rien me dire, sans CV et sans temps de réflexion? Pourquoi tu l'as embauché si tu aimes bien Camilla? Tu me l'as dit toi-même. Rendez-moi un service et fermez-la tous les deux. Tout d'abord, cette entreprise est à moi. Et j'embauche et je renvoie qui je veux. Ne va pas l'oublier. Je voulais juste... Silence! Et toi, mon fils, pourquoi tu es en colère? À ce que je sache, tu n'es pas avec Camilla. Mais c'est mais rien du tout. Si moi, qui suis intéressé par elle, je ne suis pas dérangé par le fait qu'elle ait fait entrer son mari dans l'entreprise, pourquoi est-ce que ça te dérangerait, toi? Tu as raison. Ça ne devrait pas me déranger. Qu'est-ce qui vous amène ici encore une fois? On pense que tu peux nous aider, Fausto. Le capitaine Torrealba recherche Rosa Blanco et peut-être que tu peux nous dire où elle est. Et maintenant, voilà que le monde entier recherche Rosa Blanco. Est-ce qu'elle doit de l'argent à tout le monde? Ou tout le monde lui en doit? Non, enfin, réfléchissez un peu. Ça fait des années que cette femme a disparu. Pourquoi viendrait-elle faire ça maintenant? Qu'est-ce que vous voulez à Rosa Blanco? Nous voulons qu'elle témoigne contre Ezequiel López Méndez pour l'assassinat de votre frère. Si j'arrive à obtenir une déposition, je peux faire condamner Ezequiel à au moins 30 ans de prison. Tout d'abord, nous voulons la trouver nous-mêmes pour qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Après, eh bien, l'affaire suivra son cours. Eh bien, comme l'a dit mon épouse, nous ne savons pas où se trouve Rosa Blanco. Et si vous la trouvez, prévenez-nous. Julia, je ne sais pas qui est ce playboy qui vient d'arriver, mais tout de suite, là, tu es ma fille. Et ma fille ne gâcherait jamais une session photo pour un type comme celui-là. Alors, oh les cœurs, ma chérie, tu es divine. Et le spectacle vient juste de commencer. Allez! Oui, je crois que tu as raison, Tila. C'est ma fille. Allez, on sourit. Je savais pas que Roberto travaillerait ici. Et j'ai rien fait non plus pour qu'on l'embauche. Sa présence me fait souffrir. Je veux pas de lui ici. On ne dirait pas. Parce que tu préfères le supporter plutôt que de me dire ce qui est arrivé. Ne crois pas que je n'ai pas pensé à te le dire, Max. En fait, c'est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. Fais-moi confiance, Camilla. Je sais que ce qui t'est arrivé a un rapport avec Roberto. Je le sais. Mais si tu ne me dis rien,
je ne pourrai pas t'aider. Tu te trompes, Max. Tu sais, j'ai confiance en toi. Écoute, c'est une femme qui t'aime de tout son cœur qui est en train de te le dire. Je sais que tu ne supportes pas la présence de Roberto. Et que ça te détruit de l'intérieur. Camilla, nous avons fait l'amour. Et on s'est livrés l'un à l'autre. Nous avons créé un lien qui va au-delà du reste. Du travail, de ces quatre murs ou de toute crainte que tu peux avoir. S'il te plaît, fais-moi confiance. Je ressens la même chose, Max, mais... Écoute, s'il te plaît, tu m'as demandé de te faire confiance. Et je l'ai fait. Mais ça me fait mal de te voir comme ça. Et je désespère de pouvoir t'aider. De te protéger de ce type. Tant que tu es avec moi, il ne t'arrivera rien, mon amour. Je te protégerai toujours. Oui, toujours. Il me fait chanter, Max. Roberto me fait chanter. Camilla, la seule façon de faire cesser ce chantage, c'est de me dire pour quelle raison il le fait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a? Ou qu'est-ce qu'il sait qui pourrait le pousser à te faire chanter? Écoute, Camilla, je vais te dire deux choses. La première, c'est que toi, et seulement toi, qui décide jusqu'à où va aller ce chantage. C'est toi qui donnes son pouvoir à Roberto, ou qui lui prend. Et si tu me dis ce qu'il sait sur toi, il n'aura plus rien pour te faire chanter. Mais tu te rends pas compte. C'est pas un petit truc, Max. Je sais. Et c'est là qu'intervient la deuxième chose. Quoi qu'il arrive, je serai ici pour toi, parce que je suis l'homme qui t'aime. L'homme qui va te protéger et prendre soin de toi, pour le reste de la vie. Et rien de ce que tu diras ne me fera changer d'avis. Rien. Et si ça ne te suffit pas, je te rappelle que moi, l'amour de ta vie, je suis avocat. Et j'ai les moyens financiers pour pouvoir t'aider. Non, 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 non. Max, non, non, non. Non, c'est impossible. Non, non, je suis pas prête pour ça. Laisse-moi du temps. S'il te plaît. Laisse-moi un peu de temps, je te demande juste ça. Écoute, je suis sûre que je peux encore gérer cette situation toute seule. Je vais tout régler. Et Roberto? À lui aussi, tu comptes lui laisser du temps? Parce que c'est lui qui te fait chanter. Et quoi qu'il te demande, je ne pense pas qu'il attende patiemment que tu lui donnes. Max, laisse-moi du temps, s'il te plaît. Et je t'en supplie, ne va pas t'en prendre à Roberto. Parce que sinon, il va aller voir la police et ce sera encore pire pour moi. Promets-le-moi. Pas de police. Comment ça va, camarade? Tu es nouveau ici? Non? Oui. Je viens d'arriver. Et comment tu as fait pour entrer? En fait, c'est parce que j'ai un cousin qui veut travailler dans cette boîte depuis un moment, mais ils n'en veulent pas. Ah, c'est parce que je connais bien le patron. Il a une dette envers moi. Il se permet de faire les yeux doux à ma copine. Et je crois que c'est pour ça qu'il m'a donné ce travail. Vraiment? Oui. Donc ta femme sort avec le patron? Mais quel patron? Parce que je connais... Parce que, effectivement, je Max. Connais... Tu connais Max? C'est ce sale type qui n'arrête pas de tourner autour de ma femme. Je l'ai justement vu aujourd'hui, au beau milieu du dépôt, en train de l'embrasser. Non mais tu le crois, ça? Incroyable. Mais bon, heureusement que tu as du travail ici. Comme ça, tu peux les surveiller. Ouais. Et tu travaillais où avant? Moi? J'ai travaillé dans pas mal d'endroits, mais en fait, aucun à la fois. Disons que j'ai pas mal roulé ma bosse. Mais une chose est sûre, je ne me suis jamais entendu avec mes patrons.
Et tu sais quoi? Ça suffit. On a déjà beaucoup trop parlé pour des gens qui viennent de se rencontrer. Dans l'entreprise, où tout le monde pouvait les voir, ils étaient là s'embrasser, Max et l'autre sauvage. Et c'est quoi le problème? Comment ça, c'est quoi le problème, Fernando? Tu crois que les gens vont dire quoi quand je serai avec Max? Oh, regarde-la, si belle, si charmante, si raffinée, mais elle récupère les miettes laissées par la sauvage. Est-ce que tu ne serais pas amoureuse de Max et que ça te mettrait en colère de le voir avec une autre? La seule chose que je veux de Max, c'est lui soutirer son argent. Pour ne plus être obligée de me déshabiller en cachette dans ce genre d'hôtel. Mais plutôt pour me perdre dans la campagne française et pouvoir faire ce qu'il me plaît. Viens par là, je vais te débarrasser de ce stress. Non, je ne veux pas que tu me touches. Pour l'instant, ce qu'il faut faire, c'est trouver comment séparer Max de cette sauvage une bonne fois pour toutes pour qu'il puisse enfin m'épouser. Je ne peux pas continuer à le laisser traîner des pieds et à perdre son temps. Ah, ma chérie, écoute-moi. Regarde-toi. Tu crois que cette sauvage peut te faire concurrence, hein? Tu es belle, intelligente, astucieuse. Tu as de l'éducation. Tu es talentueuse. Tu as de l'élégance et tu as la mère de Max bien au fond de ta poche. Reste tranquille et attends que ce mec aille se mettre dans le pétrin. Et là, tu arrives. Tu lui mets la corde au cou et tu lui prends jusqu'à son dernier centime. Et après? Eh bien après, tu te maries avec cet abruti, mais tu continues de coucher avec moi. Sauf que cette fois, ce sera dans une campagne française, comme tu le veux, avec du style. Tu commences à savoir parler aux femmes, Fernando. Et ça me plaît. J'ai besoin que tu me donnes du fric maintenant. Tu as réussi à en tirer un petit peu à ton petit copain? Alors ça, j'en reviens pas, tu manques vraiment pas d'air. Depuis quand je te dois de l'argent? Chut. Et je vais certainement pas en demander à Max. Alors va quémander ailleurs. Ah oui? Tu crois encore que je joue avec toi, Camilla? Hein? Si je te donne encore un ordre, alors tu dois me trouver de l'argent. Et peu importe comment tu le trouves, y compris en le volant. Je peux pas le voler à Mascarada. Ah non? Non, si on me découvre, je vais me faire renvoyer. Quel dommage, tu te feras virer. On dirait que tu ne te rends toujours pas compte de quoi je suis capable. Hein? Mais je vais un peu éclaircir les choses pour toi. Je vais te faire comprendre qui c'est qui commande ici. Tu m'entends? Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi es-tu resté silencieux quand Torre Alba et Luciano ont affirmé qu'Ezequiel avait tué ton frère Augusto? Parce que ça ne m'arrange pas. Et ça pourrait leur rappeler que le frère d'Ezequiel est mort mystérieusement dans d'étranges circonstances. Et du coup, je deviendrai le premier suspect. Mais enfin, tu ne l'as pas tué, Fausto. Quand tu l'as trouvé... Il était déjà mort. Stop, Patricia. Arrête de remuer les souvenirs du passé qui ne nous aident en rien à retrouver Rosa Blanco. C'est ça le plus important maintenant. Si cette femme réapparaît, nous sommes tous perdus. C'est pour ça que je dois la trouver en premier. Et si on la retrouve avant Torre Alba, qu'est-ce qu'on va faire? La tuer. Me voilà, cher public, me voilà! Ne m'attendez plus, je suis arrivée. Ah, vraiment, je vais vous dire une chose. Cette session photo était horriblement fatigante, je suis épuisée. Mais c'était vrai? Bien sûr que c'était vrai, Rosie. Moïsès m'a enfin rendu service, ma chérie. Il m'a emmenée là-bas. Je suis le nouveau visage de Mascarada. Ces choses-là, ça se fait avec un verre de rhum. Ah, tu as enfin raison sur quelque chose, oui. Moïsès. Ça, il m'avoir emmené à Mascarada, bien sûr. J'ai une petite bouteille cachée sous la caisse. Cherche-la. Elle est là. La voilà. Ah oui, et avec un peu de musique, s'il vous plaît. Oui, un peu de musique. Oui. Félicitations, merci, Gina. Magali. Hey, félicitez-moi plutôt, mes chéries. Parce que j'ai magnifié son visage. Tant de beauté dans un seul corps ou dans un seul flacon. Qu'est-ce que je t'adore.
Alors Moïsès t'a vraiment aidé? Oui, Ellie. Quand tu vois Moïsès comme ça, c'est un nounours en sucre. Mais en fait, toutes ces petites chattes se sont écrasées quand elles ont vu cette lionne monter sur scène, ma chérie. C'est moi. Ne crie pas. Ça fait des heures que je t'attends, Julia. Je suis fou d'amour pour toi. On ne peut pas continuer à vivre comme ça, séparés. Je te relâche, mais promets-moi que tu ne crieras pas. Tu es sûre? Je l'ai mérité, cette gifle. Tu mérites une grosse raclée. Sors de ma chambre. Je ne partirai pas avant de t'avoir parlé. Alors parle. Ce n'est pas moi qui t'ai volé l'idée de la gamme pour jeunes. Et pardonne-moi de t'avoir posé un lapin à l'hôtel. Et oui, je me suis précipité, mais c'est parce que je t'aime et je te désire comme un fou. Je n'avais pas l'intention de te forcer. Ce jour-là, mon père m'a retenu au bureau et donc j'ai pas pu venir. Il m'a mis la pression et je n'avais pas le choix. Ça a été la pire humiliation de toute ma vie. Mon père m'a traitée comme une fille facile et ça peut se comprendre. Il m'a trouvée dans un hôtel en train d'attendre un type pour coucher avec lui et grâce à toi, toute ma famille est au courant. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi, Julien, parce que je suis si amoureux de toi que je n'arrête pas de faire des bourdes. Et en plus, il me surveille. Et tu crois que moi, non? Il vaudrait mieux que tu t'en ailles et que tu ne reviennes plus. Si aujourd'hui Sarah m'a aidé à entrer, je suis certain que demain j'arriverai à trouver un autre complice. Mais s'il te plaît, ne m'écarte pas de ta vie, parce que je préfère cesser de vivre. Julia, s'il te plaît, laisse-moi une autre chance. Et si avec ce jeu de séduction que tu es en train de monter pour Max, tu finissais par tomber amoureuse de lui? Non, je ne crois pas, non. Max n'est pas mon type. C'est quoi ton type? Toi, tu es mon type. Même si, en réalité, je ne sais pas si ce qui me plaît, c'est toi ou le genre de relation que nous avons. Ah, le danger d'enfreindre les règles. Ah, le risque de se faire prendre. L'adrénaline qui accompagne l'interdit. Ah, c'est très excitant. Et donc, moi, je suis quoi? Toi? Tu es l'instrument qui... qui satisfait mon besoin de risque et d'adrénaline. Ah, parce que Max est si beau. Mais qu'est-ce qu'il est ennuyeux. Et tu n'as pas peur qu'avec ce mariage, tu finisses par devenir une femme si belle, mais très pénible? C'est pour ça que tu seras toujours un instrument. Que moi, j'utiliserai. Parce que tu n'as pas d'ambition. Tu n'as pas d'objectif clair. Alors que moi, je suis si décidée que si je dois faire un enfant à Max pour qu'il puisse toucher l'héritage de son père, je le ferai. Ne me sous-estime pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu vas l'appeler? Je crois que c'est pour le mieux, Elda. Nous allons sortir de cette angoisse une fois pour toutes. Donne-moi le téléphone. Donne-moi le téléphone, s'il te plaît. C'est très dangereux. Donne-moi le téléphone. Rosa Blanco ne se tiendra pas tranquille tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Allô? Oui, c'est Luciano. Oui, très bien. Oui, on fait comme ça. On fait quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'elle veut me voir. Qu'elle voudrait me parler personnellement. Ah, non! Si. Désolé de vous déranger, madame. Je sais que vous devez être occupée, mais je cherche Roberto, le mari de Camilla. Le mari? Camilla n'a pas de mari, mon garçon. Ce Roberto, qui a une sacrée tête de voyou, est sorti de nulle part et a voulu s'installer ici sans lui demander son accord. Entre nous, je crois que Camilla a peur de lui, parce qu'il fallait voir la tête qu'elle a faite quand ce Roberto est arrivé ici. Et ce Roberto vit avec elle? Non, mais ça serait très bizarre, à vrai dire. Parce que celui qui vient la voir le plus souvent, c'est Max Esquivel, son petit ami. D'ailleurs, l'autre nuit, il est resté dormir. Eh bien, ma bonne dame, je vais vous laisser. Je vous remercie du fond de cœur pour votre aide.
À bientôt. Et sinon, dites-moi une chose. Vous avez aimé le café? Oui, il était spectaculaire. Merci. Je t'aimais vraiment, Grégorio. Moi, je t'aime toujours. Maintenant et tous les jours à venir. S'il te plaît, va-t'en. J'ai eu beaucoup trop de problèmes à cause de toi. Et s'il te trouve ici, ce sera encore pire. Je sais que nous prenons un gros risque, mais je ne partirai pas d'ici avant que tu me dises que tu m'aimes et que tu me pardonnes. Je te fais passer par les escaliers et tu sors par le patio, comme ça personne ne te verra. Tu ne m'as pas entendu ? Si, je t'ai entendu. Bien entendu que je t'aime, mais j'ai très très peur. Je ne veux pas qu'on nous découvre et qu'on nous sépare pour toujours. Mais ça n'arrivera jamais, parce que tu es ma Julia et je suis ton Grégorio. Et rien ne pourra jamais nous séparer, même pas la mort. Oh là là, le bon sang. Oh, Axel, non, 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 c'est pas possible. Tu ne travailles jamais. Oh, c'est pas vrai. Mais enfin, t'as pas fini ta petite colère. Tu n'as pas dit le moindre mot sur la route, et on arrive ici et tu commences à jeter des trucs. Calme-toi. Que je me calme? Tu veux que je me calme? Alors dans ce cas, dis-moi pourquoi tu as embauché le mari de Camilla, hein? Dis-moi, tu souhaites vraiment être avec cette fille? Et dis-le-moi une fois pour toutes, Ézéchiel, parce que tu ne fais pas ça gratuitement. Dis-moi ce que tu veux. Tu sais ce que je veux. Que tu me serves un verre et que tu fermes ta bouche avant que je commence à avoir mal à la tête. Qu'est-ce que tu as? Ce Roberto n'est pas du tout le mari de Camilla. Il fait semblant. Mais il doit la menacer de quelque chose, parce que cette femme a peur de lui. Mais celui qui est vraiment avec elle, c'est votre fils Max. Et quand on déplie celui-là, ça fait un très joli cœur. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens voir Camilla. Je suis Roberto. Camilla n'est pas encore là. Et si elle était là, je ne l'appellerais pas du tout. Parce que je sais que vous la poursuivez pour la maltraiter et lui faire du mal. Laissez-moi vous expliquer, mère inférieure. C'est vrai que je cherche Camilla pour une raison particulière. Et vous savez pourquoi? Pour qu'elle paye pour tout ce qu'elle m'a fait. Maintenant, je ne sais pas si elle va payer pour les bonnes choses ou pour les mauvaises. Allez-vous-en d'ici. Vous ne voyez pas qu'il y a des jeunes enfants? La nonne n'a qu'à les emmener et en profiter pour me ramener Camilla. Parce que je ne partirai pas avant d'avoir pu la voir. Allez! Ma sœur, emmenez les enfants, s'il vous plaît. Venez. Allez, les enfants, je allez. Je vous accompagne. Quelle que soit la chose que vous ayez à régler avec Camilla, vous n'avez pas besoin de lui faire du mal. Camilla est une brave et honnête fille. Vous êtes sûr que Camilla est une bonne fille? Je vois que je vais devoir vous expliquer qui est vraiment cette sauvageonne. Dites-moi un truc. Votre petite Camilla chérie et adorée ne vous a-t-elle jamais parlé de Gabriel? De son meilleur ami? De son frère avec qui elle traînait dans la rue? Hein? Gabriel? Non. Non, 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 je ne sais pas qui c'est. Bien sûr, c'est logique! Comment elle pourrait parler de Gabriel? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire au sujet de Gabriel? Camilla n'est rien d'autre qu'une meurtrière. Camilla a tué son meilleur ami avec une balle dans la poitrine!
con el pecho acelerado y una sonrisa que delata mi corazón enamorado. Vengo con la felicidad cuesta y junto a ello traigo un beso que me dé un sí de respuesta. Vengo con una maleta llena de canciones que escribí para desahogar en todo este amor.